Alors, moi, j'ai toujours eu envie de d'écrire pour plein de raisons, mais je m'étais jamais vu faire ce genre de bouquin. Là, c'est un bouquin qui est très spécial. C'est un bouquin qui est vraiment une compilation d'idées reçues. Donc, c'est un bouquin pratique, on va dire, où on a envie, on est curieux et tout ça. Et j'adore l'idée, en fait, que les gens puissent vraiment se dire « Ah, j'ai envie de savoir pourquoi ces trucs-là sont des idées reçues » et aussi savoir, en gros, les croyances populaires qui peuvent être démystifiées. Donc, en fait, j'écris, c'est pas pour écrire, c'est juste, c'est comme pour faire les vidéos. J'ai eu un émerveillement, j'ai envie de le... J'adore peaufiner un truc pour que l'émerveillement soit transmis. Et que ce soit par vidéo, par livre, c'est pareil. Dernier livre que j'ai lu et que j'ai adoré, je crois que c'est La biologie de l'homosexualité de Jacques Balthazar. Ouais. Parce que c'est le dernier qui m'a vraiment bouleversé, parce que je trouve ça incroyable que ces études scientifiques soient finalement à disposition de pas mal de monde depuis quelques temps et que ce soit jamais utilisé pour contrer les arguments homophobes. Je pense que ça va arriver, pourvu que ça arrive vite possible, quoi. Donc, j'ai fait une vidéo qui simplifie ce bouquin, qui lui-même est une simplification d'énormément de trucs. Donc on arrive à un stade de simplification qui est assez vénère, mais qui est aussi plus diffusé. J'aimerais bien discuter avec BD. BD, c'est pas un exemple très... Mais en vrai, c'est... Pas vraiment en tant qu'auteur, mais en tant que personnalité. Je pense que c'est quelqu'un avec qui ça doit être assez rigolo.